Allez, bonjour, on commence, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est tout en français parce que c'est intermédiaire. Si vous voulez que je parle en anglais, posez-moi des questions en anglais, mais sinon je parlerai uniquement en français. Je regarde qui est là, alors je ne sais pas, il y avait des gens, Logo Freaks qui est peut-être parti, Artisan Motion, bonjour. Stardust est ici, combien de doigts, je ne sais pas, toujours 4 peut-être, qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez, parce que Stardust, Vincent, je pense que vous avez posé une question sur les doigts hier, oui, aujourd'hui je peux bouger 5. Alors attendez, 3 sur la main droite, sauf le pouce et l'auriculaire. L'auriculaire qu'on met, bien sûr, dans l'oreille. Et 2 doigts sur la main gauche. Eh ben voilà, ça veut dire que hier, c'était 4. Aujourd'hui, c'est 5. C'est ça avance. Et ça, c'est formidable. Bravo, Stardust. Bientôt, ce sera 6, 7, 8, 9 et 10. Il faut s'arrêter à 10 doigts. Si vous en avez 11, c'est pas raisonnable. Luciana qui est là. Bonjour, vous, Slat est avec nous aussi, qui est-ce qu'il y a d'autre, je regarde, Yossi qu'on appelle Sherlock Yossi maintenant, le spécialiste de la découverte des villes. Aujourd'hui c'est toujours Genève, j'ai toujours des difficultés à trouver mes autres vidéos. Omar est là, qui est-ce qu'il y a d'autre, alors attendez, je regarde, Evelyne, bonjour, attendez, Daniela est là aussi, Ange Gabriel est avec nous, Ice Cubes est là, Rihanna est là, Olga Ruiz est là, coucou, Sonic est avec nous, Nancy est là aussi, Samel Soon, bonjour, Sophia X, bonjour, Frosty Vlogger, bonjour, Brikida, bravo, Bombville Lover, Nico Long, Victoria Jacques, bonjour à tous. Il faudrait mettre tous avec plusieurs S. Cathy est là. Abdel Wihab, pardon, est avec nous. Cheryline, coucou. Widad Berila 71. Et Stella est là. Bon, bah écoutez, c'est formidable. On peut commencer, je pense, si vous voulez bien. Alors, Frosty Vlogger, je suis nouvelle ici, pas de problème, vous allez voir, on va faire des exercices, l'ambiance est bonne, les gens sont sympathiques, nous sommes gentils les uns avec les autres. N'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est la seule chose que je vous demande, de cliquer. Alex Don nous rejoint, il faut cliquer. Mohamed Dikones, c'est pareil, il faut cliquer sur like, merci. Allez, on commence avec le mot du jour. Alors, il y a Guitarismos SCIA avec nous. Bonjour, Kategi qui est là. Le mot du jour, regardez le mot du jour. Un mot pour décrire votre journée, s'il vous plaît. Comme d'habitude, juste un mot. Je ne veux pas de phrase, je veux, s'il vous plaît, juste un mot, un substantif, un verbe, un adjectif, un adverbe. C'est comme vous voulez. Desarlika, bonjour. Et Olga Ruiz qui dit bonjour aux nouveaux élèves. Olga est très polie, je dis bravo. Alors, Mel's Corner qui dit « Bonjour, tu m'as aidé avec mon examen de français ». Ben j'espère, Mel's, que ça a marché. Franchement, j'espère, c'est ça l'idée. Allez, on attaque. Ange Gabriel qui nous dit « Froide ». C'est froid partout. Je ne sais pas où vous êtes, mais en tout cas, là où je suis, dans le nord de l'Europe, c'est froid. Denora qui dit « Courage !» Ça, c'est bien. Rihanna qui dit « Chanceuse ». Sundar qui dit « Bonjour ». Bonjour, Sundar. Allez, écrivez-nous votre mot, s'il vous plaît. Cathy qui nous dit « Énergique », peut-être. Cosmina qui nous rejoint. Oh non ! Moi, je ne lis plus vos mots. Je ne lis plus vos mots parce que déjà, j'ai des problèmes. C'est écrit petit et je vais faire une erreur. Bombi Lover occupé. Victoria Possé, insomnie. Que se passe-t-il, Victoria? Victoria,
Je vous en avais peut-être parlé. Il existe, que j'ai acheté à ma maman, une lampe rouge qui aide pour trouver le sommeil. Si ça vous intéresse, c'est une entreprise française qui est à Lyon qui a trouvé une sorte de lampe rouge apparemment qui aide. Omar, course, Sundar, pensée, Yossi, occupé. Yann Arte, calme. Sonic, fatigant, d'accord. Qu'est-ce qui se passe alors? Frosty, ouh, génial! Ben ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Hams qui nous dit... Alors, attendez. Bonjour, starting your video tonight. It's better than the... I don't really know, Hams. It's a strange question, the question that you have. But try the video you want. I mean, if you're talking about the things in 5 days, well, I mean, take the newest, because basically I've been adding some new things, of course. Sadiska qui nous dit bonjour, bonjour, bonjour. Un mot, s'il vous plaît. Olga qui nous dit fantastique, c'est vendredi. Widad qui nous dit régal, sympa. Luciana, conversation. Ah ah! La communication est fondamentale. Communiquer, c'est trouver des solutions. Nico qui nous dit relaxante, ça c'est bien. Laura qui nous dit aimer. Oh, Stardust, espérer. Ben oui, 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 oui. 5 doigts, Stardust. 5, 5. Demain, 6. Sophia X, printemps. Vous, cela, tranquille. Dahir qui nous dit bonjour. Bonjour, bonjour. Écrivez un mot. Sophia X, printemps aussi. Incroyable. Où habitez-vous? Printemps, moi je regarde par la fenêtre qui est juste derrière la caméra et ce n'est vraiment, vraiment pas le printemps. C'est juste la lumière qui change. Desarlika, espéré. Taiwo, d'accord, he's messed up, I can't understand a thing. Taiwo, it's the concept of talking, speaking or using foreign languages. It's not because somebody is saying something that you don't understand that the person is messed up. So, if you want to join, it's on Monday, it's in English and in French, okay? Taiwo, welcome on Monday. Ensuite, Victoria Jacques, sirène. Oh, sirène, Victoria Jacques, dans l'eau? Ou sirène, qu'on entend la sirène de police? Parce que la sirène de police, là où vous habitez, on en entend beaucoup. Ice Cubes pratiqué. Sundar qui est d'accord. Dahir qui nous dit c'est un jour formidable. Et, Cheryline, procuration. Intéressant, procuration. Alors, Oumila nous rejoint, n'oubliez pas de cliquer sur like s'il vous plaît, idéalement, nous allons essayer d'atteindre notre objectif habituel, 100 petits likes, et Daria qui nous rejoint et qui nous dit une belle journée. Ça fait plaisir, ça fait très très plaisir. Non, je n'ai pas de cours en japonais. Non, ce serait un petit peu excessif quand même de prétendre pouvoir enseigner le japonais. Allez, la photo du jour, comme d'habitude, une photo et une petite phrase, s'il vous plaît, pour me décrire ou me commenter la photo que vous voyez. Alors, Mina Yang nous rejoint. Bonsoir à vous, s'il vous plaît. Cliquez sur like et écrivez une petite phrase pour décrire la photo que vous voyez. Merci. Alors, Luciana, mon café ressemble à un hibou. Oui, je l'ai trouvé sympathique. J'ai trouvé ce hibou sympathique. Allez, Cassandra nous rejoint. Bonjour Cassandra, participez s'il vous plaît. Et Hilary Owell nous rejoint aussi. Alors, Oumila, c'est la première à nous écrire « Il est belle ». Alors, faites attention, Oumila, l'adjectif « belle », c'est la forme féminine pour le féminin, donc pour une femme ou une fille. Mais donc, si c'est le masculin, vous allez mettre « beau », souvenez-vous, « B-E-L-L-E ».
A-U, il est beau. Rihanna qui nous dit le nouveau papa câline le bébé, bah oui. Guitarismos qui nous dit c'est un père avec son fils. Faites attention, on va le mettre au singulier, son. Sophia X, un doux moment. Souvenez-vous, Sophia, moment c'est masculin, donc l'adjectif doux doit être au masculin. D-O-U-X. Un doux moment entre le baba ou le papa et son bébé. Victoria Possé, c'est une image de tendresse. Eh bien voilà, et on a besoin de tendresse dans ce monde brutal et impitoyable. Nahir, je suis amoureux de la langue française. Très bien. S'il vous plaît, d'ailleurs, faites un petit commentaire de la photo. Daria, c'est Vincent avec son fils, Nicolas à l'époque. Oh non! Oh, j'en ai des photos comme ça. Hein. Moi, je m'endormais avec Nicolas sur moi, c'est vrai. Luciana, l'amour est inconditionnel, c'est vrai. Joseph, le bébé dort. Hein. Joseph, on va mettre le verbe dormir, on va le conjuguer au présent. D-O-R-T. Le bébé dort. Très bien, Joseph. Renato, l'amour d'un père. Omar, le père kangourou. Zip. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça fait penser à ça, Omar. Très bonne observation. Denora, il a été une journée longue. D'accord. Basile Nahir qui nous rejoint. Bonsoir, bonsoir à vous. Participez. Sundar, c'est l'amour entre les familles. Yossi qui nous dit... Le nouveau bébé ou le nouveau-né dort dans le lit avec ses parents. Olga qui nous dit « Le père et le bébé, c'est très beau ». Souvenez-vous, Olga, l'adjectif « beau, beau, beau ». Frosty, c'est un nouveau papa. Oui, d'accord. Ange Gabriel, le bébé couche sur son père. Oui, effectivement. Ice Cubes qui nous dit « Le mignon bébé dort avec son père ». Stardust, une photo pleine d'amour et de sécurité. C'est merveilleux de voir à quel point l'image respire l'amour. Cosmina qui dit « Il me fait peur quand je regarde la photo. Pourquoi ? Ils sont tous les deux endormis et si l'homme ne fait pas attention et bouge dans son sommeil, il peut étouffer le bébé. » Alors ça, c'est vrai. On sent la mère qui parle. Moi aussi, avec ma première fille, j'avais toujours cette peur. Mais je ne sais pas, j'ai remarqué qu'il y a une sorte de mécanisme automatique, mais c'est vrai qu'il ne faut pas dormir à côté ou avec le bébé dessus. Non, ça n'est pas raisonnable, c'est dangereux. Mercurial Man, un repos bien mérité. Hillary qui nous dit « Le bébé dort avec son père ». Attention Hillary, « dort », on conjugue « D-O-R-T ». Laura ou Laura qui nous dit la jeune famille, en amour peut-être, des sarlicas, je rêve quand j'aurai des enfants dans le futur. Très bien. Widad, un père et son bébé dorment calmement. Très bien écrit, Widad. Basile, le père est très content avec son enfant. Parfait, Basile. Cassandra, la photo montre la paix sur le visage du bébé parce que son père prend soin de lui. Très bien écrit. Vouslat, la photo d'un jeune père avec son fils nouveau-né, dormant et très tendre. Magnifique, Vouslat aussi. Yann Arte, cette photo est très amoureuse du père et de son fils. Son fils. Cherilyn, j'ai vu cette photo auparavant. Chaque fille aînée ressemble à la version féminine de son père, d'accord? Et Dahir qui nous dit « L'enfant est si beau ». Alors, n'oubliez pas de cliquer sur like, ce serait très très gentil. Aujourd'hui, c'est un artiste de musique électronique que j'ai choisi, donc il y aura des choses plus ou moins rythmées, mais l'idée, c'est de travailler juste avec un artiste aujourd'hui. Allez, la question du jour. La question du jour, eh bien écoutez, la voici. Voudriez-vous habiter sur la Lune et pourquoi ? Allez-y.
Alors, voilà, c'est Rihanna qui commence, Rihanna qui commence. Vous êtes 100 personnes actuellement, 100 personnes à être ici avec nous, s'il vous plaît. Si tout le monde clique, nous arriverons directement aux 100 likes. Et là, je serai un homme très heureux. Alors, Rihanna, je n'aimerais pas vivre sur la Lune car il n'y a pas d'arbres. Ça, c'est vrai, mais il faut les planter. Mais c'est pas possible, sans la gravité, les arbres pourraient voler. Cathy, j'aimerais habiter sur la Lune pour regarder la Terre. Mercurialement, non, car je me sentirais piégé comme un animal dans un zoo. Ange Gabriel qui nous dit oui. Parce que j'aime bien la science, féminin, Gabriel, la science. Julia qui dit, moi je préfère habiter entre la, entre la Lune et la Terre pour avoir la chance de voir les deux en même temps. Oui, mais il n'y a rien, Julia, il n'y a rien entre... Ah, dans une station spatiale. Sophia X, non, ça ne m'intéresse pas parce que je manquerais... Ah, donc oui, ou les personnes que j'aime... me manquerait. Oui, Dad, oui, je voudrais bien parce que là-bas, il n'y a plus de guerre et pas de pollution. Très bien. Ensuite, Sonic qui dit, oui, j'adorerais habiter sur la Lune, elle est si belle. Sundar, bien sûr, je voudrais aller sur la Lune parce que j'aime découvrir des choses nouvelles. Renato qui nous dit, non. Parce qu'elle est vide, sans pression atmosphérique. C'est un petit, côté sympathique, non ? On peut faire des choses acrobatiques. Ensuite, je regarde, attendez. Catégeek, alors parce que... Ah d'accord, donc vous dites oui, parce que je pense que sur la Lune, il n'y a pas de racisme. Ah ben il n'y a personne, donc effectivement, par défaut, il n'y en a pas et c'est bien. Basile, l'homme a-t-il vraiment atterri sur la Lune ? Ah, il y a beaucoup de théories, monsieur. Il y a beaucoup de théories. Ça n'est pas la question, hein, Basile. Hein. La question est un petit peu différente. Victoria, je n'aimerais pas vivre sur la Lune car c'est trop loin pour venir voir ma famille. Ben oui. Luciana, oh, je pense que non. Il fait froid et c'est désertique, c'est vrai. Omar, je préfère habiter sur la Terre et regarder la Lune. Vivre sans gravité est très très compliqué. C'est vrai que ça peut être un petit peu complexe. Ice Cubes, non, parce qu'il n'y a pas de mer là-bas. Mais j'aime visiter pour avoir une expérience, une ambiance sans gravité. Daria, il n'y a pas de leçon avec Vincent sur la Lune, du coup je dirais non. Ouais, Daria, c'est possible. Il y aura Internet, il y aura Internet là-bas. Laura qui dit non, parce que la Lune est froide et solitaire, ça c'est vrai. Cassandra qui dit, haha, non, car il n'y aura personne là-bas. Bah, il peut y avoir un groupe de personnes, des amis. Cosmina, non, je désirais que l'homme soit capable de voyager vers la Lune et découvrir l'univers, mais je veux rester ici sur Terre et vivre tranquillement ou en tranquillité et en paix. Stardust qui nous dit oui, tôt ou tard, nous devrons nous rendre sur la Lune à cause de la surpopulation de notre planète. Si cela arrive... Je serai le premier à partir. Bah écoutez, d'ailleurs, Kindy, ce n'est pas possible de vivre sur la Lune. Hillary qui nous dit, non, je ne voudrais pas habiter sur la Lune parce qu'il ferait trop froid pour moi. Yossi, non, pour $1 million, pas du tout. Et pour deux, Yossi. Je n'imagine pas comment on peut vivre avec des températures à moins 175, oui. Yossi, on peut très bien vivre avec du moins 40. Hein. Moi, j'ai déjà testé. Le moins 40, c'est possible. Vouslat, non, pas du tout. Je n'aime pas habiter sur la Lune, car je ne me sentirais... Ah, je me sentirais solitaire. C'est vrai. Denora qui dit oui, parce qu'il n'y a pas le Covid. C'est possible. Yann Arte qui dit je ne voudrais pas habiter sur la Lune, parce que c'est un rêve. Très bien. Ensuite, Julia, et voilà, tout le monde... Déménage sur la Lune après ça, c'est pas cool.
Alors, comme vous le savez peut-être, nous avons commencé, je pense, est-ce que c'était la semaine dernière ou il y a quelques semaines peut-être, à vos téléphones, c'est la possibilité pour vous de prendre une photo et de partager cette photo avec tous les autres. Donc si vous voulez partager cette photo, vous prenez la photo, vous écrivez un petit commentaire en français parce que c'est quand même plus sympathique, c'est un petit exercice pour vous d'écrire en français, et puis vous m'envoyez la photo et le petit commentaire à l'adresse vos photos, donc pas d'espace, @fluentoplus.com. Et vous faites comme, et bien Julia nous a envoyé une magnifique photo avec ce slogan formidable. Alors là, je ne sais pas si vous l'avez inventé, Julia, mais je trouve que c'est magnifique comme slogan. Julia nous dit « Un jour sans fromage, c'est dommage ». Et là, c'est formidable, ça rime, c'est très bien structuré et c'est très, 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 très beau. Vincent va juger peut-être, mais j'ai mangé ce crémeux du Jura avec un peu de noix et de canneberge. Je ne juge personne, je remarque qu'il y a du pain blanc, de la baguette, donc il n'y a pas de problème. C'est formidable, un jour sans fromage, c'est dommage. À votre avis, écrivez-moi un petit peu comme Julia l'avait fait, un jour sans fromage, c'est imaginer la suite. Alors, Aîné Winifred nous rejoint. Coucou, participez s'il vous plaît. L'idée, c'est d'écrire la phrase. Imaginez le mot qui manque et que vous voudriez mettre. Un jour sans fromage, c'est... Imaginez la suite. Alors, Aîné Winifred, elle est directe. Hein. Direct comme ça, un jour sans fromage, c'est triste. Andrea qui nous dit, un jour sans fromage, c'est un jour de vie de moins. Victoria Jacques, un jour sans fromage, c'est un jour triste. Très bien. Victoria Possé, un jour sans fromage, c'est la mort. Un petit peu extrême, Victoria Possé, quand même. Tranquillement. Guitarismo qui nous dit un jour fromage, c'est normal pour moi. Rihanna qui nous dit une journée sans fromage est une journée sans bonheur. Ah, c'est vrai. Dessalika, un jour sans fromage, c'est comme un jour sans baguette. Yossi, un jour sans fromage, c'est impossible d'imaginer. Vouslat, un jour sans fromage, c'est un jour perdu. Ah, il y a beaucoup d'amateurs de fromage, là. À mon avis, nous dit Cosmina, un jour sans fromage, c'est un jour comme tous les autres. Souvenons-nous que Cosmina, les fromages, c'est pas vraiment son truc, et les huîtres, c'est même pas la peine d'en parler. Cosmina ne reconnaissait pas les huîtres, elle reconnaissait uniquement le citron. Ensuite, vous aimez le fromage, Donaloff qui nous dit un jour sans fromage, c'est la rage. Ça c'est pas mal, ça rime. Donaloff d'Oral, bravo. Omar, un jour sans fromage, c'est un jour avec un manque de goût. Hillary qui nous dit un jour sans fromage, c'est un jour sans goûter quelque chose. Bébéla qui nous dit un jour sans fromage, c'est seulement un jour. Pourquoi pas, Cassandra, un jour sans fromage, c'est comme un matin sans café. Oh, un matin sans café, ça c'est terrible. Alors là, moi c'est toujours terrible ça. Heureusement que j'ai toujours la possibilité de traverser la rue pour avoir mon café, mais oui. Sophia X, un jour sans fromage, c'est un jour tranquille. Il y a quelques années que je suis devenu allergique au fromage, c'est triste, j'adore le fromage. Eh oui, ça c'est terrible. Est-ce que c'est... Oui, c'est quoi? C'est une intolérance au lactose ou... Parce qu'il y a des possibilités d'avoir
certains fromages sans lactose. Luciana, un jour sans fromage, c'est un jour avec moins de goût. Yossi qui dit, ah d'accord, très bien. Pri qui nous dit bonjour, bonjour Pri de Boston. Ice Cubes, c'est un jour sans vin. Ah, c'est ça en fait, Ice Cubes. L'idée, c'est d'avoir le fromage comme prétexte pour le vin. Ça, c'est pas mal. Olga, un jour sans fromage, c'est vraiment une tragédie, elle nous dit Olga. Stardust, une journée sans fromage et sans vin, c'est une journée sans joie de vivre. Avec modération, bien sûr. Ensuite, Renato, c'est comme le pain vide. Ben oui, parce qu'effectivement, il n'y a rien à mettre sur le pain et c'est un petit peu terrible. Ensuite, Dahir qui dit « Une journée sans fromage ». Il n'y aura jamais un jour sans fromage. Moujahid, ça fait longtemps, bonjour. Ça veut dire que je suis sobre. Moujahid Bachir mange uniquement du fromage quand il a bu un petit peu. Pourquoi pas ? Cherylin, j'adore. Alors, il n'existe pas le déprimage, mais c'est une invention très, très, très créative. Je dis bravo. Cherylin qui dit un jour sans fromage, c'est le déprimage. Félicitations. Allez, on n'oublie pas de cliquer, comme ça, idéalement, on arrivera aux 100 likes et ça me fera un petit peu plaisir. Merci beaucoup. C'est vendredi. Soyons gentils les uns avec les autres. Allez, c'est comme ça qu'on parle, comme vous le savez peut-être, eh bien, c'est la possibilité de découvrir le français familier ou très familier. Souvenez-vous, comme je le répète systématiquement, c'est important de connaître ces mots ou ces expressions, mais ne les utilisez pas si vous n'êtes pas sûr de la situation, du contexte ou des personnes avec qui vous êtes. Vous ne voulez choquer personne. Donc, essayez de sentir, si c'est possible, d'utiliser ces mots ou pas. Allez, on attaque avec la première chose. La première chose, c'est un substantif et c'est une bagouze. Une bagouze, qu'est-ce que c'est ? Une bagouze, c'est une bague que vous mettez au doigt. Shumil, what are you saying? Well, I'm speaking French. Shumil, so basically the thing, Shumil, if you want to participate to the lesson in English, it will be on Monday. D'accord? On Monday, it will be in English and in French. But this one and tomorrow, it will be only French. D'accord? That's the reason why. Alors, une bagouze, c'est une bague. Hein, une bague que vous allez mettre à votre doigt. Exemple, il a offert une grosse bagouze à sa mère pour son anniv. Il a offert une grosse bague à sa mère pour son anniversaire. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec le mot bagouze. Julia, pas de bagouze, pas d'épouse.
Et c'est vrai. Yossi, les mariés se passent la bague, la bagouze au doigt, effectivement. Vouslat qui nous dit « J'aime les bagouzes en or et en argent ». Cathy qui nous dit « Pour se fiancer, il a donné à sa copine une belle bagouze. Andrea, j'ai offert une bagouze à mon cheval. Qu'est-ce qui se passe, Andrea ? Où est-ce que vous mettez la bagouze sur le cheval ? C'est bizarre. Ou alors, sur le... Ah, peut-être, ou alors... Ben, c'est une boucle d'oreille, ça n'est pas une bagouze, techniquement. Renato, il a beaucoup de... Alors, attendez, il a beaucoup froid et je dois mettre une bagouze. Une bague, c'est quelque chose que vous mettez au doigt, c'est plutôt un bijou, Renato. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Cathy Geek, maintenant, je porte une grande bagouze, il neige. Alors, Cathy Geek, quelle est la relation entre la bague et la neige ? Cosmina qui nous dit, mademoiselle, ne faites pas cette erreur. L'or dans la bagouze est très lourde à porter une vie entière. Ah, on fait dans le symbole, hein. On fait dans le symbole, je vois. Sophia X, je porte ma bagouze de diamant chaque jour. Rihanna, le livre Lord of the Ring parle d'une bagouze. Et oui, c'est vrai, c'est l'histoire d'une bagouze magique. Victoria Possé, j'ai trouvé une bagouze dans la rue. Eh bien écoutez, Aîné qui nous dit, j'ai acheté une bagouze pour mon père, mon. Une bagouze de toute puissance, d'accord. Omar qui nous dit, je n'ai jamais utilisé de bagouze, c'est très dangereux pour les doigts. Youssef qui nous rejoint, bonjour Youssef. Sundar, mes amis m'ont donné une bagouze pendant mon anniversaire. Guitarismos qui nous dit, aujourd'hui j'ai mangé une bonne bagouze. On ne peut pas manger une bagouze, c'est une bague. Ça ne se mange pas. Hillary, ma bagouze de mariage est devenue un peu serrée. Ah, c'est peut-être un signe. Luciana, pour bien se laver les mains, il faut retirer la bagouze. Est-ce qu'il y a un verbe bagouser ? Bagouser, ça n'existe pas. On peut l'inventer, hein, Julia. On peut l'inventer, ce serait logique. Bagouser. Yann Arte, je voudrais une belle bagouze pour mon anniversaire. Orlando qui nous dit, j'ai acheté une bagouze pour ma sœur. Et Olga qui nous dit, je porte juste une bagouze. Merci beaucoup. Alors le deuxième, eh bien c'est un substantif et c'est, regardez, une frangine. Alors j'ai décidé de mettre le féminin, le masculin c'est un frangin, d'accord, mais ici on va travailler avec le féminin, une frangine. Une frangine c'est deux possibilités, une sœur ou une amie, d'accord. Alors on va prendre la première. Premier exemple, sœur. Il a deux frangines et un frangin. Donc là, vous voyez qu'effectivement, vous avez le masculin, frangin. Frangin, vous l'écrivez F-R-A-N-G-I-N. Donc ça, c'est masculin, c'est un frère. Frangine, comme on a vu, c'est sœur. Ici, eh bien, il est au pluriel. Frangine avec un S à la fin. Il a deux frangines, il a deux sœurs et un frangin. Un frère. Ça, c'était le premier exemple, donc, pour la signification de sœur. On est d'accord. Deuxième signification, je vous ai dit, ça peut être aussi synonyme de ami. D'accord ? Et donc ici, l'idée, c'est d'avoir le féminin. Viens là, frangine, j'ai besoin que tu m'aides. Vous appelez une amie pour qu'elle vienne vous aider. Viens là, frangine, viens là, copine, viens là, mon ami, j'ai besoin que tu Med. D'accord ? Donc souvenez-vous, frangine pour sœur ou pour ami, masculin frangin pour frère ou pour ami aussi. D'accord ? S'il vous plaît, une petite phrase avec une frangine. Allez-y. «
Allez, c'est Yossi qui commence et qui nous dit, il sort, attention Yossi, S-O-R-T, avec sa frangine au cinéma ce soir. D'accord. Yossi, est-ce que les salles de cinéma sont ouvertes en Israël? Parce que en Europe, là, tout est fermé. Hein. Vouslat, j'ai deux frangins qui sont jumeaux. D'accord. Donc, Vouslat voulait aller sur le masculin. D'accord. Cathy, je n'ai pas de frangin. Je suis fille unique, enfant unique. D'accord. Frosty, j'espère qu'un jour j'aurai une bague de diamants. C'est correct comme ça. Oui, j'espère un jour avoir. Hein, c'est plus léger. Vous n'avez pas répété. J'espère un jour avoir une bague de diamant. Ce serait un petit peu plus simple, hein, Frosty. Julia, imagine, c'est ma frangine. Je suis un peu poétique aujourd'hui. Peut-être parce que c'est vendredi. Vendredi, tout est possible. C'est ça qui est beau. Riena, je n'ai pas besoin. J'ai pas beaucoup de frangines. Victoria qui nous dit, ma meilleure frangine est partie vivre sur la plage. Waouh, ça c'est intéressant comme concept, hein. Sur la plage carrément. Nico, ma frangine est bête. Nico qui veut régler des comptes. Faut respecter la famille, un minimum Nico. Omar, c'est important de tenir une bonne frangine pour parler. Luciana, j'ai un frangin plus vieux que moi. Ouais, vieux, on peut dire âgé aussi si vous préférez. Sophia X, j'ai une frangine et deux frangins qui habitent dans tous les coins du monde. Yossi qui nous dit, non les cinémas, ah oui donc tout est fermé aussi Yossi, ouais. C'est un petit peu triste. Hein. Sundar, j'ai besoin d'une frangine qui me donne de la motivation. Hillary qui nous dit, ma frangine et ma voisine. Victoria Possé, comme on dit, sur la plage ou à la plage. Si c'est sur la plage, Victoria Possé, j'ai vraiment l'impression qu'elle est sur la plage. Donc est-ce que c'est au bord de la mer peut-être, hein? On fait plutôt référence à la mer, c'est-à-dire au bord de la mer que à la plage. Mais après ça dépend comment vous voulez insister sur les choses. Yann Arte, il y a deux frangines et un frangin dans ma famille. Olga qui nous dit, c'est la bonne vie d'avoir une bonne frangine, c'est vrai. Andrea, mon frangin est un acteur. Stardust, j'ai eu une fois 10 frangins et frangines, aujourd'hui nous ne sommes plus que 4. Cosmina qui nous dit, je n'ai pas de frangine, alors je ne sais pas quoi dire, regardons ce problème. Peut-être que je devrais inventer quelque chose. Ah ben il y a des gens qui inventent des frères ou des sœurs imaginaires. Ice Cubes, elle avait juste un frangin, mais beaucoup de frangines à l'école. Moujahid, je n'ai pas vu ma frangine depuis 4 ans, mais on parle au téléphone. Denora qui dit, ma fille est ma meilleure frangine. Ben écoutez, merci beaucoup. Allez, numéro 3. Le numéro 3, c'est relou. Relou, grand classique. Grand classique, c'est du verlan. C'est du grand classique, donc ça veut dire lourd. Hein. On a déjà vu le verlan il y a quelque temps. Donc relou, c'est le verlan de lourd. Lourd, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire embêtant, ennuyant ou pénible. Alors, je vais vous donner un exemple. Elle est vraiment relou avec ses questions à la noix. Quelqu'un vous pose des questions. Donc là, c'est une femme. Elle vous pose des questions que vous trouvez ennuyeuses, ennuyantes, pénibles, désagréables. Eh bien, vous considérez que cette personne est relou. Elle est relou avec ses questions à la noix. Allez, s'il vous plaît, écrivez-moi une petite phrase avec relou. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, si vous venez d'arriver, vous n'avez pas encore cliqué sur le like, cliquez sur le like. Notre objectif, c'est 100 likes minimum. À
Allez, c'est Andrea. Andrea Dalmasso, il attaque sec, mon frangin, il est très relou. Ah, ça peut arriver, Andrea. Alors, je regarde. À la noix, ça. Oui, non, à la noix, Julia, c'est tout simplement pour dire que. Oui, c'est une expression. C'est une expression pour dire que c'est quelque chose qui n'est pas de grande qualité, hein, qui est assez mauvais. Frosty qui nous dit: je n'ai pas de frangine, mais je voudrais en avoir si c'est possible. Oui. Cathy, je suis désolé, mais pour moi, l'opéra, c'est un peu relou. Eh ben oui, on aime ou on n'aime pas l'opéra. Et ça, c'est vrai. Faut respecter les goûts, pas de problème. Vous aimez, vous détestez, il n'y a pas de problème. Luciana, ils sont tous relous. Victoria Possé, cette situation me rend trop relou. Yossi, sa technique de séduction est relou. Formidable, Yossi. Très belle phrase. Très belle phrase. Un mélange très, très délicieux entre sa technique de séduction, qui est très jolie, et pouf, relou. C'est magnifique, Yossi. Oui, Dad, je n'ai pas aimé ce film, c'est relou. Ouais. Sophia, les bobos sont vachement relous. Ah ben c'est vrai, hein. Vouslat, il y avait un homme relou à la conférence qui ne m'a pas plu. Eh oui, qui nous dit « Le virus me rend trop relou ». Oui, Cosmina qui nous dit « Je vais casser la gueule à ce micraveur relou qui m'a vendu cette marchandise ». Alors Cosmina, plus nous avançons... Hein, plus nous avançons dans ces exercices de français familier, et plus Cosmina se lâche. Parce que là, je vais casser la gueule à ce bicraveur relou. Vous auriez pu finir avec qui m'a vendu cette cam. J'aurais été un peu... Mais bon. Riena, mon chien a fait un désordre dans la maison, c'est relou. Très bien. Sundar, oh non, tu frappes fort, c'est relou maintenant. Je ne lis pas le premier. Non, je ne lis pas ça. Stardust, ma sœur est relou. Avec elle, on ne peut pas respirer dans l'appartement. Pour ne pas remuer un grain de poussière. D'accord, très bien. Oh, vous finissez avec de l'allemand. D'accord. Hilary qui nous dit « Le vendeur est très relou ». Cassandra qui finit et qui nous dit « Mon directeur des opérations était très relou au travail ». Allez, soyez gentils, soyez très gentils avec moi. Si vous pouvez cliquer sur le like, si vous ne l'avez pas encore fait, ce serait très gentil. On arriverait au 100 et alors là, un homme heureux. Allez, à vous la parole. Regardez, on continue un petit peu. On avait fait ça hier. Regardez la photo. Je pense que c'est le meilleur endroit pour imaginer la suite. Alors, Moujahid qui parle des impôts, c'est maintenant l'heure des impôts aux USA, c'est relou, je crois que je vais déchirer, je me fais déchirer par l'oncle Sam. Moujahid, TurboTax, souvenez-vous, le programme.
Allez, Sundar qui commence et qui nous dit « Je pense que c'est le meilleur endroit pour méditer. » Et ça, c'est possible. Alors, Widad qui nous dit « Je pense que c'est le meilleur endroit pour prendre une photo, c'est vrai. » Hillary qui dit « C'est le meilleur endroit pour plonger. » Eh oui, plouf ! Et la mer est toute calme, vous voyez. Enfin, je suppose que c'est la mer, peut-être que c'est un lac, je ne sais pas. Regardons ensuite Julia pour sauter dans l'eau et mourir. Mais non ! Ou peut-être pour la pêche. Je préfère la deuxième option. Cassie, je pense que c'est le meilleur endroit pour bien réfléchir. Vouslat qui nous dit c'est le meilleur endroit pour apprécier la vie, peut-être. Riena, pour réfléchir au sens de la vie. Oui. Yossi, je pense que c'est le meilleur endroit pour se sentir grand. Sophia X, je pense que c'est le meilleur endroit pour réfléchir et méditer. Andrea, je pense que c'est le meilleur endroit pour se sentir libre, oui, pour se sentir, hein, Andrea. On va mettre l'infinitif pour se sentir. Christo, je pense que c'est le meilleur endroit pour passer les vacances. Olga, je pense que c'est le meilleur endroit pour la relaxation. Laura ou Laura, je pense que c'est le meilleur endroit pour la réflexion. Très bien. Victoria Possé, je pense que c'est le meilleur endroit pour ne rien faire. Juste s'asseoir, peut-être. Debout, oui, assis, je ne sais pas. Denora, je pense que c'est le meilleur endroit pour nager. Omar, je pense que c'est le meilleur endroit pour passer le week-end avec une bonne, en bonne compagnie. Nico qui nous dit, je pense que c'est le meilleur endroit pour une bière, tout simplement. Une bière, Nico. Bière blonde, bière blanche, bière brune, bière rousse. Qu'est-ce que vous préférez ? Stardust, c'est le meilleur endroit pour regarder les étoiles et réfléchir à la taille de l'univers et au fait que nous ne sommes que de la poussière d'étoiles. Ice Cube, je pense que c'est le meilleur endroit pour se relaxer, hein, souvenez-vous, forme pronominale et imaginer. Luciana, je pense que c'est le meilleur endroit pour voir la naissance, le lever et le coucher du soleil. Hein. Le soleil se lève et il se couche. Ensuite, Moujahid, il faut s'enfuir, l'esprit libre. Je suis libre. Kikon qui nous dit, je pense que c'est le meilleur endroit pour être joli. Bah oui. Renato, pour rêver à l'apprentissage du français. Cosmina, je pense que c'est le meilleur endroit pour être emporté par des extraterrestres. C'est possible. Le vaisseau arrive et vous aspire comme ça. Yann Arte, je pense que c'est le meilleur endroit pour la navigation sur mer. Cherylyn, je pense que c'est le meilleur endroit pour tomber dans l'eau ou laisser tomber votre portable dans l'eau si quelqu'un passe à côté. Et oui, ou si vous perdez l'équilibre en état d'ivresse. Mais pourquoi en état d'ivresse ? On peut vaciller comme ça. Perdre son téléphone dans l'eau. Bon, je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé. Yann Arte, je pense que c'est le meilleur endroit pour... Ah oui, on l'avait vu ça. Youssef, je pense que c'est le meilleur endroit pour contacter les extraterrestres. Très très bien. Et Sonic qui nous dit, je pense que c'est le meilleur endroit pour oublier vos problèmes. Et ça, c'est pas mal. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le like, c'est le moment ou jamais. Il nous manque 3 likes pour atteindre les 100, s'il vous plaît. Soyez généreux, s'il vous plaît. Allez, on fait la dictée du jour. La dictée du jour, eh bien, c'est ma journée. Hein, c'est ma journée. Donc, on va commencer avec la première phrase. Et une petite seconde, voilà, je vais comme d'habitude la lire deux fois et vous allez, s'il vous plaît, l'écrire. J'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, virgule, j'ai fait le ménage en écoutant
de la bonne musique. Aujourd'hui, virgule, j'ai fait le ménage en écoutant de la bonne musique. Et Victoria Possé a raison. Ça y est, on a passé les 100 likes, c'est formidable, je suis un homme heureux. Écrivez-moi la phrase que je vous ai lue. Alors, regardons ensemble. Ici, la phrase, hein, comme vous pouvez le voir à votre écran maintenant, l'idée, c'était d'introduire, eh bien, d'abord du passé composé, le passé composé du verbe faire, j'ai fait, d'accord ? Souvenez-vous que le verbe faire, comme la majorité des verbes en français, eh bien, va utiliser l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai fait. L'expression, c'est faire le ménage, d'accord ? Ensuite, j'avais envie d'introduire, eh bien, cette forme en écoutant, hein, souvenez-vous. Ici, c'est pour indiquer la simultanéité, deux choses qui se passent en même temps. Donc, en écoutant, écoutant dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un participe présent. Et donc, c'est le participe présent du verbe écouter, et donc c'est ce qu'on appelle un gérondif, de la bonne musique. Alors je regarde, musique et féminin, souvenez-vous, attention Widad, les mots en ic, hein, en français, en général, il y a juste une exception publique, mais vous écrivez I-Q-U-E, d'accord ? Musique, M-U-S-I-Q-U-E, et comme c'est féminin, eh bien, vous devez mettre votre adjectif bon au féminin, bonne, B-O-N-N-E. Aujourd'hui, j'ai fait le ménage en écoutant de la bonne musique. Et c'est vrai en plus, et c'était bien agréable. Numéro 2, allez, deuxième phrase. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que même s'il faisait froid, virgule, le soleil brillait. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que même s'il faisait froid, le soleil brillait. Allez-y. Il y a qui dit, alors c'est très ménager. Ben oui, et oui, et oui, parce qu'il y a eu des grands changements ce matin et aujourd'hui. Et donc, comme les grands changements sont arrivés, j'ai fait le ménage. Alors, je regarde ce que vous écrivez. Bon, ben là, l'idée, hein, l'idée, c'était un petit peu de travailler avec eh bien, le passé composé et l'imparfait. Hein. Souvent, souvenez-vous, quand on parle du passé composé, on l'utilise essentiellement pour décrire des actions. D'accord ? Donc, j'ai regardé. C'est-à-dire que là, je fais l'action. Donc, logiquement, c'est du passé composé. Passé composé du verbe regarder, régulier, avec avoir. Au présent, j'ai, participe passé, regardez, ça c'est pas un problème. Après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu, on reste dans le passé composé, c'est une action, j'ai vu quelque chose. Verbe voir,
passé composé avec avoir, participe passé, vu. D'accord ? Et là, on attaque l'imparfait. Il faisait froid. En général, on va utiliser plutôt l'imparfait ici parce que ben, ça dure quand même. Ce n'est pas quelque chose qui dure 5 minutes. Ça dure probablement toute la journée, éventuellement un peu plus. Donc le verbe c'est, ou l'expression c'est faire froid. Donc on doit mettre le verbe faire, bien sûr, à l'imparfait. Il faisait froid. D'accord, souvenez-vous, imparfait de faire, c'est faisait, F-A-I-S-A-I-T. C'est bizarre, on écrit faisait, on prononce faisait. Souvenez-vous, le verbe faire, il est un petit peu compliqué. Et puis, le soleil brillait. Même chose, ça dure, logiquement. Ça peut durer très peu de temps, mais en général, ça dure. Et donc, on utilise, eh bien, l'imparfait. Le verbe, c'est briller. Donc, c'est brillait, A-I-T. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que même s'il faisait froid, le soleil brillait. Voilà, Anna qui nous rejoint. Bonjour Anna, on fait une dictée. Participez, s'il vous plaît. Allez, on attaque avec le numéro 3. Troisième phrase, écoutez et écrivez. Je me suis dit qu'il fallait que je finisse de préparer la chambre de mon fils. Je me suis dit qu'il fallait que je finisse de préparer la chambre de mon fils. Allez-y. Ce que j'ai bien aimé, c'est le côté mélodie. Allez, vas-y. Envoie la phrase. Envoie la phrase, je suis prêt à écrire. C'est bien, Elodie. Il faut avoir une attitude comme ça. Il faut être combative. C'est la seule solution dans la vie. Allez, regardons la phrase. Ici, eh bien, l'expression, enfin, en tout cas, le verbe, c'est se dire. Hein. Se dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un verbe pronominal. Verbe pronominal. Au passé composé, on doit utiliser être. Bien sûr, verbe pronominal, on doit utiliser le pronom. Je, me, verbe être, suis, et finalement le participe passé, dit. Je, me, suis, dit. Passé composé du verbe se dire, d'accord ? Qu'il fallait, le verbe falloir, à l'imparfait, il fallait, F-A-L-L-A-I-T. Que, et là c'est un magnifique subjonctif présent du verbe finir, je finisse. Souvenez-vous, F-I-N-I-S-S-E. Subjonctif présent. Il faut que. Il fallait que. Et on attaque avec le subjonctif. Et puis le reste, c'est pas très très compliqué, je regarde. Bon, idéalement, oui. Faites attention, Hillary, certaines personnes, le verbe préparer ici, automatiquement à l'infinitif. Hein. Préparer à l'infinitif la chambre de mon fils. Je me suis dit qu'il fallait que je finisse de préparer la chambre de mon fils, parce que j'ai changé la chambre de mon fils. Il avait une chambre d'enfant, et maintenant, je lui ai fait une chambre de pré-adolescent, et c'est formidable. Formidable chambre. Il est très heureux. Allez, quatrième phrase. Quand il est rentré de l'école, virgule, il a découvert
sa nouvelle chambre et il était heureux comme tout. Quand il est rentré de l'école, virgule, il a découvert sa nouvelle chambre et il était heureux comme tout. S'il vous plaît, écrivez la phrase. Allez, Omar Najoul nous rejoint. Bonjour Omar, nous faisons une dictée. Enfin, on finit la dictée et on va faire d'autres exercices après. Alors, je regarde. Et donc, j'ai entendu du bruit derrière, je ne sais pas si c'est Nicolas. Joue, il va ouvrir la porte. Coucou. Alors, quand il est rentré de l'école, ici, vous voyez que c'est le verbe rentrer. Le verbe rentrer au passé composé, donc, qu'on va utiliser avec l'auxiliaire être. Il est rentré. Rentré, bien sûr, participe passé au masculin, puisque Nicolas est un petit garçon. Il a découvert. Le verbe, c'est découvrir. Découvrir au passé composé. Avec avoir, il a. Et le participe passé de découvrir, c'est comme le participe passé de ouvrir. Souvenez-vous, ouvrir, ouvert. Découvrir, découvert. Il a découvert. On finit avec le T, on ne le prononce pas, mais là je regarde et globalement c'est très très bien, hein, pas de problème. Sa nouvelle chambre et il était, là on utilise plutôt l'imparfait, il était, E-T-A-I-T, heureux comme tout. L'expression comme tout, hein, ici c'est pour dire très heureux, c'est juste une expression orale, faites attention, tout ici ce sera T-O-U-T. Quand il est rentré de l'école, virgule, il a découvert sa nouvelle chambre et il était heureux comme tout. Voilà. Et il a commencé à l'utiliser, puisque c'est une différence de génération entre son papa, qui lui utilise principalement YouTube, et Nicolas, qui lui utilise TikTok. Monsieur stream sur TikTok. Ouais, je ne comprends pas ça. Alors, à vos téléphones, souvenez-vous, c'est la possibilité, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, d'envoyer des photos pour les partager avec, eh bien, nos amis, avec vous, avec la communauté. Vous pouvez juste les prendre, écrivez un petit texte et s'il vous plaît, utilisez l'adresse que vous voyez, vos photos, @fluent2plus.com. Yossi, comme tout, c'est une expression, hein, Yossi. Hein. C'était pour introduire cette expression, je suis heureux comme tout. Hein, c'est une expression pour dire je suis très, très heureux. Vous le mettez à la fin, comme ça. Regardez, et c'est Mélissa Madrid. Alors, malheureusement, Mélissa Madrid n'est pas avec nous aujourd'hui. Elle était là hier, je crois. Peut-être qu'elle sera là demain. En tout cas, Mélissa Madrid nous a envoyé cette photo avec ce petit texte très 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 sympathique. Je ne peux pas penser à un meilleur héritage à laisser à mes enfants que de les aider à découvrir leur propre chemin
et à les soutenir. En attendant, ils apprennent la musique car elle procure de nombreux bienfaits. D'ailleurs, c'est aussi ma passion. Et donc, c'est ce que Mélissa Madrid nous a envoyé. Et c'est très, 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 très sympathique. Et ma question, bien sûr, la voici. Est-ce que, comme Mélissa, la musique est votre passion ou que vous apporte la musique? Donc, que vous apporte la musique ou est-ce que la musique est votre passion? Une petite phrase pour me répondre, s'il vous plaît. Allez-y. Qui dit « Mais non, il faut comparer TikTok et Instagram, mais YouTube c'est différent. » Mais oui, mais Nicolas stream sur TikTok. C'est-à-dire qu'il fait des streams comme moi sur TikTok. Et il y a des gens qui participent et ils commentent, etc., etc. Donc, je ne sais pas. Et bon, moi je suis concentré sur YouTube. Hein. Allez, c'est Ice Cube qui commence. Et oui, je m'en souviens. Je m'en souviens parce qu'Ice Cube, elle aime bien les instruments à cordes. À chaque fois que je passe du violoncelle, Ice Cube, elle aime bien le violoncelle. Et bien sûr, parce que c'est le grand frère du violon. Et Ice Cube dit oui, je joue avec mon violon. Donc, il y a 4 ans que je joue du violon. Stella qui nous dit oui, j'adore la musique, mais je ne sais pas chanter. Je l'écoute avec beaucoup de passion pendant que je fais tout. Vouslat qui nous dit oui, la musique est ma passion, car elle est la nourriture de mon âme. Andrea qui nous dit « La musique me donne beaucoup de bonheur. Je peux danser avec mes amis, mais le Covid a ruiné tout ça. » Andrea, c'est temporaire. Il faut être optimiste. Soyons optimistes, ça n'est pas pour tout le temps. C'est temporaire, ça ne va pas durer. Rihanna qui dit « J'aime la musique parce qu'elle est plus intéressante que la vraie vie. » Cathy qui nous dit « Oui, sans musique, la vie est ennuyante. J'aime jouer de la guitare, même si je ne suis pas très bonne, ça me relaxe. » Moi aussi. Yossi, oui, pour écouter, mais pas pour chanter parce qu'un éléphant a marché sur mon oreille. J'adore l'expression, Yossi. Je ne connaissais pas cette expression. Oh, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. On peut chanter, tout le monde a le droit de chanter. C'est dans les droits de l'homme et du citoyen. Sophia X, j'aime beaucoup chanter, mais je ne peux pas jouer de la musique. Mes garçons aiment jouer de la guitare et de la batterie. Omar, j'aime la musique parce que c'est une bonne compagnie, n'importe quel moment, oui. Cosmina, oui, j'aime toutes sortes de musique et j'adore danser. La musique m'apporte une bonne capacité de concentration. Bravo, moi j'ai du mal à me concentrer avec de la musique. Julia, la musique m'apporte de la bonne humeur. Ah non, une humeur. Triste ou légère. Olga, la musique est très importante dans ma vie. La bonne musique. Stella qui dit « La musique me donne plaisir ou me fait plaisir et elle me fait imaginer une autre réalité. » Stardust, oui, la musique était et sera toujours ma passion. Elle m'aide dans toutes les situations de la vie. J'adore jouer du piano. Victoria Possé, j'aime beaucoup la musique et cela me donne des encouragements et de l'énergie. Moi aussi. Sundar,
Au revoir Sundar et bonne nuit, on arrête bientôt aussi. Cassandra, je joue du piano pendant mon temps libre. La musique m'apporte un esprit paisible et de la joie. Hilary qui dit oui, je joue du piano, mais je ne joue pas bien. C'est pas grave, il faut jouer. Le principal, c'est de jouer. Si on fait des erreurs, c'est comme, comme dit Yossi, même si un éléphant a marché sur l'oreille, il faut chanter. C'est plus sympa. Renato, la musique m'apporte un bon état d'esprit et je reste heureux. Mujahid, tout ce que j'écoute à la maison, ce sont des chansons pour enfants. Ça, c'est difficile. Il y a un moment où ça devient un petit peu trop fort. Mon manager m'a surpris il y a quelques jours en train de chanter The Wheels on the Bus Go Round, Round, Round. Nanana. Il faut chanter en français. Hein, Mujahid, il y a beaucoup de chansons en française comme ça pour les enfants. Vous pratiquez, vous travaillez sur la phonétique. Luciana, j'aime la musique. Quand j'étais enfant, je jouais du piano. Très bien. Donc, tu utilises le TikTok comme ton fils. Non, mais non, excuse-moi. Non, lui, il joue. Vous savez, il joue à Fortnite, il joue à d'autres. Et il est sur TikTok. Moi, non, c'est pas. Non, je n'utilise pas. Yann Arte, j'aime la musique classique. Il y a beaucoup de concerts que nous allons regarder. Victoria Possé, je suis. Et désolé. Alors, Cheryline, attention. Bien que j'aime écouter de la musique, je ne dirais pas que c'est ma passion, car je n'ai jamais appris à jouer d'un instrument de musique, mais j'étais danseuse, et la musique était importante pour ça. Bah oui, automatiquement quand même. Eh bien voilà, c'est la fin de notre cours, mesdames et messieurs. C'était très très sympathique, comme d'habitude. J'espère en tout cas que vous avez passé une heure sympathique en ma compagnie. Demain, comme d'habitude, à la même heure, ce sera le dernier live pour la semaine, et puis on va continuer la semaine prochaine. Donc demain, ce sera bien sûr uniquement, encore une fois, en français. Passez une bonne journée, merci beaucoup. Et je vous envoie plein d'amour, parce que nous avons tous besoin d'amour. Au revoir.
Learn French, learn today. Learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learn French, learn today. Learn for free, learn your way. Learn French with Vincent, let's go. The best French teacher on the low. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Easy, fun, 1, 2, 3. Subscribe to the channel to support me. Students all around the world learning fast. Young to old, I am the best. Learning French is simple and free. Learn French with Vincent, A to Z. Learn French with Vincent today.